Salut, c'est Collage, bienvenue dans Rise of the Scorpions, la deuxième démo gratuite de Japan Drift Master. On avait découvert la première en vidéo sur la chaîne. Cette fois-ci, c'est un prologue et on regarde ça tout de suite. Je sais pas s'il y a des droits internationaux sur la musique, alors dans le doute, je l'ai coupé, vous l'entendrez pas. Mais sachez qu'il y a une bande son et qu'elle est intéressante. Alors, le jeu se déroule sous forme d'un manga. Et là donc c'est le début, je vais pas vous lire toutes les scènes. Ah, il faut que je remette le son, j'ai dû toucher à quelque chose qu'il fallait pas. Ok, là ça va mieux. Alors je joue à la manette, hein, mais pour rappel c'est un jeu qui sera compatible également au volant. Non, cul-de-sac là. Alors ici je peux choisir une radio. Vu que j'ai tout coupé, ça sert pas à grand chose. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas joué depuis longtemps, mais j'ai l'impression que la conduite a été améliorée. À confirmer, hein. Dites-moi si vous connaissez. Au niveau de la map, j'ai l'impression que c'est la même map, mais avec une partie en plus. Pareil, à confirmer. Donc moi, je vais me rendre ici parce qu'il y a Kiko. Et Kiko, c'est un objectif de quête. Je dois faire la course contre lui, je crois. Je vais essayer de vous montrer différentes vues également, puisque le jeu quand même a fait l'effort, donc... Mais, bien entendu, je suis pas à l'aise dans toutes les vues. Donc, vous verrez principalement de la vue capot ou caméra extérieure à la troisième personne. Mais comme vous pouvez voir, les mains tournent, enfin, les bras, je veux dire. Il y a deux caméras extérieures, plus ou moins proches. Et là, franchement, j'ai pas joué depuis longtemps, ça vous en dit un petit peu plus sur la maniabilité. La prise en main est quasi instantanée. Alors, course contre Ayumi. Je sais pas il y a combien de missions dans la démo. Le but, c'est pas forcément de la finir, mais au moins de vous en montrer quelques-unes. Donc c'est une amie qui me défie dans une course de drift. Alors il va falloir que je fasse des points en drift. Et que je sois pas trop lent non plus, comme vous pouvez voir en haut à gauche, il y a une limite de temps. Vous pouvez voir également en haut à droite qu'il y a notre classement en direct. Et pour l'instant, je suis bien à la traîne. Elle a déjà deux fois plus de points que moi. C'est pas un manche à Yumi. Et en plus, elle a une traînée bien longue. Même en ligne droite, elle arrive à faire des travers. Et je pense que c'est ce qui me manque. Bon, voilà, mission échouée, pas assez de points, je m'en doutais. Et en même temps, la course est pas assez longue, il faut vraiment scorer tout de suite. Ok, essai numéro 7. On lâche pas. Voilà, faut que je fasse comme ça, là. Des travers, même quand il n'y a pas de virage. Faut que je fasse gaffe également aux pénalités, parce que... Oula! Ça va, j'ai pas de pénalité. Je lui ai bien fait perdre du temps. Faut que j'essaye de rattraper au score. Allez, on essaye de passer ça en douceur. Voilà, des virages à angle droit. Là aussi... Ça fait du drift, ça. Oui, c'est pas mal, pas mal. Ah, ça y est, je viens de passer premier. Et au bout, ça tombe bien, c'est la ligne. Or, 100 000 yens. Alors ici, il y a une nouvelle quête. Apparemment, c'est pour du drift. Donc j'aimerais bien m'y rendre. Sur la route, il y a de quoi s'entraîner. Donc c'est parfait pour m'échauffer. Il y a moyen de faire des points, hein. Faut juste faire gaffe, mais vous voyez là par exemple, je fais du drift sans virage et ça peut payer, hein. Surtout si vous prenez de la vitesse. Vous voyez le 1700 là, x 1,7. J'aime beaucoup la vue à la première personne, elle me rappelle MSR, ce vieux jeu sur Dreamcast. Je crois que c'est parce que les décors sont rapprochés. Pas mal, hein? Je commence à progresser, là.
Et comme le décor est plus proche que des jeux comme Gran Turismo par exemple, c'est beaucoup plus étroit et c'est beaucoup plus impressionnant. C'est l'effet route ouverte. Alors là, c'est un croisement en forme de T, c'est assez chaud. Oh, je m'en sors pas mal. Pour une fois, c'est peut-être parce que je suis en vue intérieure, je pense pas, mais... J'ai également eu l'occasion de tester le jeu avec un volant, ce qui n'était pas le cas sur la première démo. Et franchement, j'ai été très impressionné. Déjà, rien que dans la configuration, moi, vous savez, j'essaye de configurer mes volants avec de nombreux jeux indépendants. Et c'est loin d'être rose tous les jours. Et là, en fait, c'est un des rares jeux sur lesquels j'ai pu mettre aussi bien mon levier de vitesse que mon frein à main ou mon volant. Parce qu'en fait, ces trois périphériques que j'ai, ils fonctionnent tous les trois en standalone. Donc j'ai besoin de trois entrées. Et pas tous les jeux ne font trois entrées différentes. La plupart du temps, j'arrive pas à configurer le frein à main, il est trop. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La matinée de Kawabata, d'accord. Ok, va falloir que je fasse du point. Visiblement, on est ici pour une leçon. Donc c'est parti. Je connais pas le véhicule. Ok, donc c'est un genre de double 8. Et il va falloir faire un maximum de points là-dessus. Je pense qu'il faut essayer de tenir un drift et de le prolonger. Ça doit rapporter bien plus. Ah, là, c'était pas mal. Allez, encore. Ah non. Il a lâché. Et par ici. La voiture est bonne. J'y suis pas encore habitué, mais elle est spécialement réglée pour le drift. Ça commence à venir là. C'est pas mal ça. Terminé. Argent. 50 000 yens. Je pense qu'il y a moyen de faire l'or. On va essayer un peu. Allez, c'est parti pour 1 minute 25. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Faut essayer de garder une certaine vitesse parce que ça m'aide beaucoup à balancer l'arrière. Et à garder un drift long. En tout cas, celui-là, je commence à bien le comprendre. Parfait, ça. Allez, on enchaîne. Pas mal. Pas mal encore. Et ça monte. Et ben voilà. L'or, 50 000 yens. Ici, on voit qu'il y a plusieurs types de leçons. Il n'y a pas que le drift. Il y a l'adhérence et l'accélération aussi. Ça, c'est bien. C'est bien, ça apprend un petit peu le grip. Puis ça veut dire qu'il y a des courses classiques où le but, c'est d'être rapide, d'arriver le premier. Et on va voir tout de suite ce que le jeu veut m'apprendre en termes d'adhérence. Alors, leçon. Donc forcément, les objectifs sont des objectifs de temps. 25 secondes pour avoir l'or. On va essayer. Allez, go. J'ai l'impression que c'est une Mitsubishi Lancer Evolution. Voilà. Hors de la route, mission échouée. D'accord, ça pardonne pas, il n'y a pas juste le temps. Il faut être très propre. Surtout que la course est très courte. Allez. Voilà. Ça, c'est mon piège. Je l'ai passé. Le jeu est bon. Le jeu est très bon. Que ce soit pour faire du grip ou du drift. Et voilà, l'or. Parfait, 125 000 yens. Alors par contre, je note que là, j'ai pas débloqué la leçon 2. Je débloque les leçons de drift, mais pas les leçons d'adhérence. On va tester le troisième type, l'accélération. Alors, c'est une course de drag ici. Va falloir faire un temps, forcément. Et d'accord. Vous voyez dans la petite vignette, dans l'aperçu là, ce que ça donne. Donc une ligne droite.
Ça, c'est la chauffe des pneus. Il faut que j'accélère en essayant de maintenir le curseur dans la zone verte. Voilà, là j'ai une bonne chauffe. Et maintenant, la course. Ah ok, j'ai pigé. J'ai complètement raté, mais j'ai pigé. En fait, il n'y a pas de vitesse automatique. Là, on est obligé de passer les rapports. Donc, je vais recommencer. On va essayer de faire quelque chose de propre cette fois. Ah, mauvaise chauffe. La course. Ouh. Forcément, il y a moyen de faire mieux. Je sais pas ce que ça va donner, là. Bronze. Alors, faut que j'arrive à maîtriser le véhicule. Et puis, faut que j'arrive à faire un peu mieux au niveau du rapport. Là, on sent qu'au niveau des centièmes... Bonne chauffe. Allez. Pas mal ça. Or, bah ben voilà. 35 000 yens. 241 km/h. Dans l'école de Kawabata, il reste encore des leçons de drift. Mais on va se concentrer un petit peu sur les quêtes. On débloque pas mal de choses. Des pièces auto. Des quêtes. D'ailleurs, on va aller jeter un œil à l'atelier de Sakata. Je pense qu'il aura des pièces détachées pour nous. Oula, il y a eu un accident là. C'est assez sympa qu'il y ait du trafic quand même. L'open world apporte vraiment un plus dans ce type de jeu forcément. Et en plus là, la map est plutôt jolie, plutôt agréable. Après bon, à titre personnel, j'ai toujours du mal à rouler à gauche. Je vais faire mon connard d'européen, mais j'aurais bien aimé une petite option pour que le trafic se mette en mode Europe et roule à droite. Ça m'aurait évité un certain nombre d'erreurs. D'ailleurs, vous le voyez là, je roule à droite, mais j'arrive pas à switcher. Ok, donc on a ici l'atelier de Sakata, je crois, c'est ça ? On est arrivé. L'atelier de Sakata. Alors, qu'est-ce que t'as de beau pour moi ? Alors, une partie visuelle, une partie mécanique. Ok, donc on a plusieurs familles en haut. Et des sous-familles en bas. Et il y a justement des pièces qui sont bloquées, ce qui explique pourquoi on en débloque au fur et à mesure qu'on gagne des courses. Sûrement avec l'expérience. Là, je peux déjà en acheter. On va installer quelques pièces supplémentaires. Upgrader la voiture. Un filtre. Échappement. Ici, il n'y a rien. Et ici, il n'y a rien. Pour le moteur, je suis au max. En tout cas, au max de ce que j'ai débloqué. En suspension. Ah. En suspension, il n'y a rien. Mais là, direction, il y a. Ici, on a même également en transmission l'embrayage. Des plaquettes de frein, ok. Et au niveau des pneus, il n'y a rien. Faut le débloquer. Et pour la partie visuelle, kit de carrosserie, il n'y en a qu'un. Ok, bah il n'y a rien à... Je peux rien faire. Extérieur et intérieur. On peut changer 2-3 trucs, mais c'est pas vraiment important. Moi, je conduis pas en caméra intérieure, donc forcément. Par contre, parmi vous, peut-être qu'il y en a certains que ça intéresse. Bon, après, faut pas oublier qu'on est dans le prologue, dans une démo gratuite. Et je trouve déjà qu'il y a pas mal de possibilités. On puisse tuner la voiture. Donc là, je sais pas ce que ça donne sur la route, mais ça devrait être mieux. La voiture a été upgradée. Et on va pouvoir vérifier ça en allant voir le concessionnaire automobile. On va voir ce qu'il propose. Donc j'ai déjà évoqué plus tôt la possibilité de jouer au volant, je l'ai testé au volant, mais c'est vrai que je vous ai pas donné de détails. Donc la conduite est agréable, le retour de force bien entendu est actif. Je vous l'ai dit, j'ai apprécié de pouvoir connecter 3 périphériques
en même temps, puisque mon levier de vitesse, mon frein à main sont des stand-alone. C'est plutôt appréciable que le jeu les reconnaisse tous. On est quand même dans un jeu qui a besoin du frein à main, et ça m'aurait contrarié de devoir le mettre sur une autre touche. Autrement, il me semble que le jeu reconnaît tous les volants, donc aussi bien Logitech que Thrustmaster et Fanatec. Moi, à titre d'info, je joue avec un Logitech G25 auquel j'ajoute la boîte en H et le frein à main Fanatec. Mais j'aurais tout aussi bien pu brancher mon volant Thrustmaster ou mon volant Fanatec. Le jeu les reconnaît tous, moi c'est juste pour des raisons de compatibilité avec les autres jeux. Le G25, c'est celui qui est compatible avec le plus de jeux. Ça m'évite de changer pour tout et n'importe quoi. Et je joue beaucoup à des jeux indés aussi. Alors, nous voici sur place. Je me souviens, c'est le même concessionnaire que dans la première démo. Alors, on a la Mazda MX-5, la Subaru Impreza et de la Mazda RX-8. Et les Impreza... Enfin, il y a une Impreza, l'autre c'est Subaru BRZ, je connaissais pas. On dirait bien que c'est celle qui la remplace. Par contre, en bas à gauche, je vois 0 yens à chaque fois, pour chacune des voitures. Donc je pense pas que mes yens soient faits pour acheter des nouvelles voitures. Je pense que je peux uniquement dépenser dans de nouvelles pièces. Alors par contre, il y a moyen de tester les modèles. Là, il y a marqué essai routier. Ça doit être à ça qu'elle sert la concession dans la démo en tout cas. Alors, une bonne vieille Impreza. Oula. Ah, le moteur. Ah, j'adore le bruit. Ah, je sais pas si les connaisseurs de la Impreza peuvent confirmer, mais... ils ont l'air d'avoir fait un travail super détaillé. Je suppose que c'est le bruit d'une vraie Subaru Impreza. Mais moi personnellement je ne le savais pas, même si j'ai déjà utilisé le modèle dans les jeux. Alors en revanche, si je me trompe pas et si ma mémoire me joue pas des tours, il me semble que c'est une transmission intégrale. Donc je sais pas comment on fait des drifts, des beaux drifts parfaits avec ça. Je pense pas que le frein à main soit suffisant. Quoique, je sais pas, on dirait que le jeu s'en fout. En tout cas, pour les épreuves d'adhérence et d'accélération, ça va être super utile. Et puis là, en vue à la première personne comme ça, en vue par choc, j'adore. Par contre, on sent qu'à l'accélération, elle peut faire mieux. Donc à mon avis, il faudra prendre des pièces. Et j'aime beaucoup. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres modèles à regarder. En tout cas, je suis content de ce que j'ai vu avec la Impreza. Entre la première et la deuxième démo, c'est quand même un jeu qui est très généreux pour vous montrer le contenu du jeu final et vous donner des infos sur ce que ça va être. Et c'est pratique parce que j'avais peu de doutes à ce sujet, mais maintenant j'en suis sûr à 100%, je vais acheter le jeu à la sortie. Ils peuvent pas se louper en fait. Tout fonctionne déjà bien et il me manque plus que le contenu. C'est-à-dire que j'ai des morceaux de map inaccessibles, des voitures inaccessibles, des pièces inaccessibles et sûrement des quêtes inaccessibles pour l'instant. Mais dans la version finale, tout ça, ça va pas changer si vous voulez. Je vois déjà la qualité du jeu final et elle me plaît. Alors, comment est la Mazda ? Alors déjà, elle est nerveuse, bien plus nerveuse en couple. De toute façon, il me semble que c'est une drifteuse. Ouais, y a rien à dire, c'est une bonne voiture. Puis après, avec les pièces auto, c'est pareil. Mon avis, vous allez pouvoir vous amuser. Le tuning, le rajout de pièces et la personnalisation visuelle. En tout cas, ouais, elle est maniable, elle répond, elle est véloce. Alors, on va aller faire la quête. Là, apparemment, il y a une course entre amis, une course de drift sur le touquet de la map. Allez, c'est parti. On va un petit peu la faire fumer et voir ce qui a changé dans les pièces auto que j'ai ajoutées.
J'aime bien parce que le jeu n'a pas oublié la vitesse. C'est pas juste du drift, du drift, du drift, et quand vous vous êtes lancé à fond sans drifter, la vitesse se fait ressentir. Si en plus vous êtes en vue embarquée ou à la première personne, c'est... Franchement, moi j'adore. Surtout que comme je le disais plus tôt, les décors sont très proches et ça apporte un effet rallye. Faut avoir beaucoup de réflexes. Tellement je suis concentré sur la route, je me suis trompé, on dirait. Ah, c'est par là. La voiture, j'ai l'impression, elle est encore plus nerveuse. Après, je remarque pas trop de choses au niveau de la direction. Je sais pas si dans la version finale, il sera possible de modifier le trafic, l'augmenter, le baisser. C'est une feature que j'aime bien quand vous voulez mettre beaucoup plus de trafic dans une ville. Bon, je m'amuse beaucoup à rouler à fond pour rejoindre le lieu de la quête. Ça, j'apprécie beaucoup. Du coup, on se retrouve là-bas. Hein. Je vais pas vous embêter à vous montrer tout le trajet. Voilà, c'est sur ce Touguet qu'on va revenir une fois que j'aurai pris la quête. Ça me permet de m'échauffer. Vraiment, vraiment très bon, le jeu. Pour que moi, j'arrive à faire du drift en plus. Bon, le drift tout seul, c'est cool, c'est confortable. Mais le but, ça va être de drifter avec les amis, donc gêné par les amis. Et en plus, il va falloir être le meilleur. Donc il va falloir obtenir le meilleur score. C'est pas une course de chrono. On est 4 et il va falloir être premier. Pas de médaille d'argent, pas de médaille de bronze ici. Bien entendu, il faut faire attention. Le jeu, je vous rappelle, gère les pénalités. C'est-à-dire que si il estime que vous avez délibérément créé un accident pour gêner un adversaire, vous allez manger des secondes de pénalité. Là, je suis deuxième, vous le voyez. Le chrono n'est pas important. Il faut scorer. D'ailleurs, je vais me faire doubler dans pas longtemps. Voilà. J'arrive à résister, hein, mais le premier, il s'est envolé là à 11 000. Vous pouvez voir qu'on a 5 minutes pour faire la course, donc c'est plus cassé. Il faut vraiment s'appliquer. Et... Bien entendu, la mission est échouée. Il nous manque facile 8000 points par rapport au premier. Alors, cinquième essai. C'est pas simple. Hein. Faut vraiment drifter, même en ligne droite en fait. Faut essayer de gratter des points partout. Donc, on est parti. Donc, ma stratégie, c'est de les laisser avancer parce qu'ils me gênent en réalité. Ils peuvent annuler certains de mes drifts que j'accumule. Là, par exemple, vous voyez. Bon, là, j'ai touché tout seul, mais je vais monter à 600. Là, je suis à 800, déjà à 1000 quasiment. J'aurais peut-être pas fait ça s'ils étaient dans mes pattes. Et vous pouvez voir que je suis bien placé quand même. Je suis deuxième. Donc voilà, on va se concentrer. Deuxième. Allez. Il faut être en glisse quasiment tout le temps. Pas bien réussi sur ça, j'ai laissé passer des points. C'est pas grave, on est à 3000 de Isamu, c'est encore faisable. Voilà, là je le rattrape, je suis à 1000. Oh non! Pas bon, pas bon. Allez, on se concentre. Faut garder de la vitesse. Sinon, ça score pas. Ça score pas bien.
Allez, là, on a du retard, il est à 6000 points. Allez, fais-moi une bonne glisse, un bon travers, ça c'est pas mal. Je suis à 3000 points du premier. Ah là, il y a le virage, faut faire attention. Faut pas faire trop le bourrin, un petit peu mais pas trop. Sinon, vous pouvez prendre une pénalité, une disqualification. Allez, on est à 3 points. À 3000 points de retard, pardon. Ça y est, on y est à 1000 points. J'arrive à faire mieux que lui. C'est bientôt la fin, là. Oui. Je me suis trompé. Allez, faut faire du score. Premier, j'avais même pas vu, il faut garder cette place. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Là, je suis deuxième, c'est super serré. On a déjà mis 2000 points dans la vue. Je remonte, je suis premier. Tu me gênes, Daisuke. Et j'ai 2000 points d'avance. Allez, on s'accroche. Allez, 45. Voilà, 5000 points, je viens lui mettre là. Super virage. J'ai 10 000 points d'avance là, non? Ouais, on dirait bien. Par contre, là... Allez, pousse-toi, Dan. Tu peux pas faire de travail. Ah bah, c'est l'arrivée. Bah voilà! Voilà l'or, 150 000 yens. Très sympa. Ok, je vais accélérer un petit peu parce que la vidéo va être longue pour vous. Là, on a un de nos rivales. Il demande réparation pour son feu cassé. Il est en colère, donc je lui ai proposé une course. Une course de rue illégale pour régler ce litige. C'est la deuxième fois que j'essaye de le battre. La première fois, il m'a eu. Et ça fait du bien, une petite course classique dans les rues. En plus, les petites avenues. C'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Il y a un effet rallye que j'adore, rallye urbain. Il va falloir trouver une ouverture dans ces petits espaces. Donc faut beaucoup anticiper, faut connaître le circuit par cœur, c'est pour ça que j'ai pas pu le faire du premier coup. Hop, par exemple là vous voyez, j'ai déjà des possibilités qui s'ouvrent. Mais vraiment sympa, même la difficulté est cool. L'IA est pas du tout déconnante. Non, c'est vraiment agréable de faire la course contre l'IA. Je dirais que je suis bien placé pour gagner. Je me méfie. Parce que là, c'est vraiment du chrono. Si j'atterris dans le mur, c'est un désastre. Vous voyez les petites ruelles comme ça, là. C'est bien piégeux. Voilà, 150 000 yens de plus. Je suis retourné faire un tour à l'atelier avec tout mon argent et j'ai encore upgradé la machine. Ça devient bestial. Donc ouais, je vous confirme qu'on peut pas acheter les véhicules là. Ça met un message d'erreur si jamais j'insiste. Vous voyez, cannot purchase.
Ça veut pas. Alors ici, on a encore défié un rival. Je vous en dis pas plus au niveau du scénario, il n'y a pas utilité de vous spoiler. Mais ça va être une course classique. Et le voici. En Subaru. Ouh. J'ai eu de la chance, là, au niveau de la pénalité, faut faire attention. Et en même temps, c'est tellement compliqué que, en course sauvage comme ça, vous pouvez passer à... Ah bah voilà, j'ai pris ma pénalité de 2 secondes. Donc là, clairement, il va falloir que j'arrive premier, mais avec plus de 2 secondes d'avance. Un petit peu comme en Formule 1 quand vous prenez une pénalité. On va essayer. On va essayer de le larguer un peu. Essayer de prendre du grip aussi parce que elle part beaucoup en travers. Bon après il y a certains virages, hein, si c'est un angle droit ou une épingle à cheveux, vaut mieux y aller avec le frein à main. Voilà, c'est pas mal. On arrive un petit peu à le distancer. J'imagine pas qu'il y a 2 secondes d'écart entre nous, mais... Ce jeu me plaît de plus en plus. Je pense que attendre le jeu complet va plus me frustrer maintenant. Ça aurait été tellement bien que ça soit une démo juste avant la sortie. Ben voilà. Oh, j'ai réussi à lui mettre 2 secondes. Ok, on va arrêter la vidéo sur cette dernière mission qui va consister à impressionner la fille avec qui je sors. Elle s'appelle Aoi, elle est à côté de moi et il faut que je fasse en gros du drift pour l'impressionner. J'espère vous en avoir montré assez pour que vous puissiez vous faire une idée sur ce jeu. Moi en tout cas, je suis sûr maintenant que je vais l'acheter. J'espère également que la vidéo vous a plu et qu'elle n'était pas trop longue et indigeste. Il y a juste beaucoup d'actualités en ce moment et je voulais pas faire 2 vidéos pour la démo comme j'ai fait la première fois. Là il va falloir que j'enchaîne sous peu avec Carix Street. Donc c'est un petit peu serré au niveau du planning. En tout cas si la vidéo vous a plu, dites-le dans les commentaires, likez, partagez. Abonnez-vous si ça vous chante et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci et ciao. Pas mal le bronze.